Alors, nous sommes partis pour l'expédition du Maître Korbach. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, le Maître Korbach? Alors, de ce que j'ai compris, il y a des glyphes, mais ils sont full buggés, ils marchent pas vraiment. De ce que j'ai compris, il faut tuer le Korbach et ensuite tu tues les mobs. Parce que sinon, ils ont des résistances, c'est un peu chiant. Grosso modo, ce qu'on va éviter, c'est on va éviter que le buveur aille au cac du Maître Korbach et fasse son spell, par exemple. Après, tout le reste, ça me semble assez simple. Donc, voyons voir. Le tournesol, à la limite, il y a des trucs à savoir. Là, je sais même pas s'il y a des S, s'il y a de l'OS, s'il y a un truc. Oh, il a des vraies résistances, par contre. Il a autant de restes de base, le Korbach? Ouais, ils ont augmenté, ces restes. Des glyphes buggés sur Dofus? Impossible. Impossible n'est pas en Kama. Alors. Ok, on va le taper, mais on va le taper vraiment petit à petit. Les autres mobs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça tapote un peu. Ça rush, ça a du PM. Ok. Techniquement, je suis censé prendre des dégâts quand je marche dans le glyphe, ou c'est censé régénérer les mobs. Pas l'impression que ça marche. Écoute, tant mieux. Est-ce que j'irai pas le tacler? Hop. Ah ça. Ouah, 568 de tacle. Ok, bon, le tacler, c'était peut-être pas une bonne idée. J'ai l'impression qu'il veut pas se laisser faire, le poteau. Ah, j'ai invoqué mon lapin comme un teubé en plus. C'est pas bien grave. Ok, let's chat, aucun intérêt. On va se booster une petite AQ, une petite puissance et on tape. Hein. C'est du Yop qui va taper le plus. Ouais. Un bon gros tour T'es pro. Il est pas mort, mais pas loin, je pense. Ok, lui il bouge pas. Oh la vache, ah oui d'accord, les résistances des autres mobs. Lui il s'est mis ses résistances, t'es mal à l'aise. 147, 137, 137, 212, 137. Eh, go faire du PVP chef hein. Il a un vrai stuff PVP là hein. Il est au max là hein. Ok, y a pas eu trop de régène. J'ai juste à taper. Il manque une petite pre-tech, ouais. Une petite pre-tech, un petit casse Dragov, je pense, pour les résistances. Et on est pas trop mal, là. Le petit Korbach, là, il doit être un peu relou. On va se faire ça. Alors, d'autres affaires de tes journées, le Korbach, plutôt que de me saouler, là. Salopard. Oh, le placement portail, on reviendra dessus. Hein. C'est pas le placement portail de l'année, surtout que je peux pas taper avec la Nini. Oh la vache. Tranquille les refs, c'est le deuxième combat du stream. Ah, faut pas m'en vouloir. Ouais, j'ai des excuses pour toutes les situations. Ouais. Exactement, ouais. Ah, on va taper un petit peu lui. Histoire de dire... Allez, on part sur une petite coco. Full AQ. Là, il va être en mode renvoi de dégâts, là, non? Je crois que c'est maintenant son truc relou. J'ai pas le sort de debuff. Si, je peux debuff avec les nutrophes. Bon, ça va, quoi. En termes de difficulté, ça m'a l'air correct. Un peu de renvoi de dégâts. C'est deux tours son truc hein. Ouais c'est deux tours. Je vais essayer de debuff avec l'anime aussi. Bon. Allez, premier debuff.
Petite libé, debuff, pas debuff, on va pouvoir taper. On prend des petits dégâts. Rien de oufissime. Oh, j'ai même pas besoin de debuff en vrai, j'ai juste à kill. Hein. Et là, quand je kill, je crois que ça enlève 50% de res à tous les mobs. Si j'ai bien lu. Ah, rip. Alors peut-être. Alors peut-être le lapin. Oh là là, le lapin. Mais oui, monsieur. Et en plus, je ramène mon pandawa. Oh là là, c'est trop. Ce niveau. Ah, je peux pas vraiment les taper comme je le souhaite, là. C'est chiant. Ok, les beaux petits dégâts, quand même. On tape n'importe où. Heureusement qu'il y a le lapin. Bon, c'était pas vraiment finito pour moi, quand même. Le lapin, il fait plaisir. J'aime bien jouer avec lapin. Depuis l'event sur ombre, je jouais toujours fiole, mais là, j'avoue que le lapin, il régale. Mais du coup, ouais, là, le donjon est complètement bugué, en fait. T'es censé manger tes glyphes. Ou c'est que quand tu commences dedans, peut-être. On va voir quand le panda va jouer, s'il se passe quelque chose. Ou si c'est vraiment full bugué. Il y a peut-être des prérequis, je sais pas, il manque peut-être un truc. Après, si c'est uniquement quand tu commences dedans, c'est un peu trop simple, du coup, quand même. Déjà, quand tu finis dedans, il se passe rien non plus. Allez, fais-moi commencer dans un glyphe, là, histoire de voir. Je suis désolé, le petit Tenny. Tu te prends des patates, pas vraiment mérité. Allez, le panda, il commence dedans. Eh non, c'est bien bugué, ça sert strictement à rien. Ouais, si les glyphes seraient pas buggés, ça serait potentiellement un peu plus complexe, en effet. Bon, après, faut que j'aille faire une corruption, les refs. Ah, j'ai la flemme. J'ai la flemme de zinzin d'aller faire corruption, là. Parce qu'avec cette team, je l'ai pas fait. Et tant que je ne le fais pas, je peux pas aller le faire en songe, donc je suis Keblo. Sinon, je suis sur un Funorochi, Cauchemar, Cycloïde, qui me one-shot mes crins. Bon, on est sur un truc assez... un peu plus solide que les expéditions, je vais pas te mentir. Sans vouloir dénigrer, bien sûr. Hein. Je vais pas pouvoir le faire en 6 tours, quoi. Allez, le Korbach, rentre chez toi, garçon. Ok, là, tu vois, l'XP est pas bugué. Vrai XP, vrai drop. Ok, pourquoi pas. Bon, Korbach, 7 minutes. Le tournoi sol, je sais même plus combien de temps j'ai pris. Les deux sont assez simples, voire très simples. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire. Les refs, c'était Las Marauder. A plus, tout le monde. Ouais, mon gars, je vois, t'es là, tu kiffes la vidéo et tout. Mais moi, je kiffe Holy Energy, je suis sûr que tu peux kiffer. Je pense, tu sais, c'est quoi. Petite boisson énergisante sans sucre avec des bonnes vitamines. Ils ont une gamme énergisante, iced tea, boisson hydratation pour le sport. Voilà, si tu bois un peu de Monster, Red Bull, tous ces trucs, ah ouf, je te conseille Holy 10 fois mieux. Et vraiment, 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 c'est pas du troll. Je suis pas en train de vous vendre des trucs bizarres. C'est un banger. Tout est écrit dedans, y a pas de mensonge, y a pas de truc, y a deux nouveaux goûts qui viennent de sortir. Holy hydratation, citron, pas de blabla, simple, rapide, efficace. Et en iced tea, t'as le goût citron, miel et thé noir. Déjà, vous avez deux codes, les refs. Code Baroudi pour les moins 10% et pour les moins 5 euros, code Baroudi 5. Et il marche qu'une seule fois. Et si jamais même vous êtes des gigabons, que vous êtes dans la commu, que vous kiffez le tout dernier des baroudeurs, aka moi-même, vous avez une petite collab avec Holy, les refs. Oui, même le chat, il est sous Holy Energy. Là, tu m'as bien ralasse. Shaker Las Baroudeur sont sortis. Un petit shaker FC Baroudi. Tous ceux qui sont sur le stream, en gros, ça c'est des modes de la communauté, on va dire. Tu fais 15 euros d'achat, tu rentres le code Shaker Baroudi et tu l'as gratuitement.
directement les refs. Ils coûtent 10 balles de base, tu peux l'avoir gratos. Pareil, si vous voulez des refs, goût énergisant, moi je vous conseille. Celui-là, pastèque, je vous l'avais pas montré aussi, j'ai presque fini le pot. Et moi, il sonne un peu cru quand même. Pêche sauvage, fruit des bois, incroyable. Mon meilleur goût, le goût grenade, ça passe bien. En termes de prix, les refs, ça vous revient à 34 balles avec un code. Un pot comme ça, ça vous dure entre 3 à 4 mois. Et un shaker d'un demi-litre, ça vous revient à 60 centimes les refs. Va dans le marché classique, va à Lidl, à Carrefour, à Cora, où tu veux. Pour un demi-litre, je suis pas sûr que t'en as pour 60 centimes. Donc vraiment les refs, point d'exclamation Oli, c'est le banger. Tous les codes sont dans les commentaires, faites-vous kiffer.